Bonsoir, bonsoir. Voici l'arc-en-ciel sur la ville d'Abidjan après le cul de ce jour. Vous êtes avec nous, nous aurons la victoire certainement. Vous voyez, regardez ici, regardez derrière moi l'arc-en-ciel. Vous voyez l'arc-en-ciel? Vous voyez l'arc-en-ciel? Après le culte, le Seigneur me dit sort, regarde dehors. Vous voyez l'arc-en-ciel au-dessus de la ville d'Abidjan. Un très très grand arc-en-ciel. J'espère que tout le monde voit. J'espère que tout Vous voyez très bien, au-dessus de la ville d'Abidjan, la cancelle est là. Ce sont les signes qui montrent que Dieu est avec nous, donc vos prières ne sont pas vaines. On a la victoire, les francs-maçons ont perdu, oui, les maïkari, les bouddhistes ont perdu, les marabouts, les sacrifiés humains ont perdu, les mystiques ont perdu, les assassins ont perdu, tous les usurpateurs d'identité, de grâce, de faveur, de bénédiction des Ivoiriens, c'est fini. C'est la fin de leur règne, c'est la fin de leur pouvoir, c'est la fin de leur mysticisme, de leur occultisme. Voici la cancelle au-dessus de la ville d'Abidjan. Tout le monde peut sortir de chez lui et puis filmer aussi pour mettre sur Internet. Si je suis en train de mentir, tu as Yopougon, tu as Makori, tu as Trècheville, sors, tu vas filmer, les gens vont regarder au-dessus de la ville d'Abidjan. Il y a la cancelle avec toutes les couleurs. Un très très grand sec, la cancelle. Suivez très bien. Vous voyez un peu? Ça, je suis en direct. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier chez vous à la maison. Si c'est le pasteur, peut-être c'est un sorcier à quoi ça. Lui, se voit l'arc-en-ciel. Non, on ne voit pas. Vous vérifiez. Vous voyez l'arc-en-ciel? Vous voyez? Voilà ça. Vous voyez? Voilà ça. Ça, c'est mode selfie. Donc, c'était juste pour vous montrer ça. Vous pouvez demander à mes petits même. Partez leur dire, regardez en haut. Le Seigneur a fait sortir le signe qu'on a demandé encore. Donc, voilà ça. Donc, Dieu a fait le miracle. Moi, je vais vous dire bye bye. Bye bye. Vous voyez, à les oiseaux de la paix qui accompagnent sur l'arc-en-ciel. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est plus que vainqueurs, on gagne toujours, on gagne toujours. Mais je vous assure, en tant que prophète, vous verrez dans 10 minutes, ça disparaît par l'onction de l'Esprit au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Tous les sorciers ne doivent pas voir. Donc ceux qui ont suivi le direct, il est exactement Abidjan. Quelle heure là? 17h57, 18h moins. Vous verrez que les quelques minutes qui vont suivre, l'arc-en-ciel a disparu. Parole du prophète, vous ne verrez plus ça encore. C'est fini. C'est le dernier signe avant la fin de l'heure. Conori là. Bye bye, c'est fini. Vous voyez non, en direct, c'est en train de disparaître. Vous voyez non. C'est ça qu'on appelle l'onction. Vous voyez en direct non. Vous voyez non, en direct, c'est en train de partir. C'est pour montrer que ce n'est pas n'importe qui vous avez affaire à lui. C'est à Jésus que vous avez affaire. Ce n'est pas un pasteur ni contre un pays. C'est contre Jésus-Christ lui-même. Vous avez vu non. Il reste petit, c'est propre, parti. J'ai filmé ça en direct pour montrer les mystères du royaume. Ça on appelle les signes, les merveilles, les prodiges. Tu prêches en mettant les signes, tout est là propre. Bye bye. C'est fini. Voilà mes petits, mais vous pouvez les demander. Quel est votre témoin? Vous voyez ça? Ouais, quoi? C'est propre. Voilà Élisée, hein, il est guéri de la folie maintenant, il a donné choco. Tous les comment? Ouais, ça va. Ok, on est ensemble. Ouais, voilà les frères. Voilà ça, vous voyez, il n'y a plus la cancer, ça disparaît. Alléluia! Propre. C'est bien, les gens sont étonnés.